Nous, on a envie d'avoir 5 ans de plus et on est unis autour de valeurs communes, autour d'un projet commun. Et on a envie de pouvoir continuer avec le président de la République encore 5 ans au service des Françaises et des Français. Et nous, on a un candidat, on a à l'unanimité, on souhaite qu'il soit candidat, Emmanuel Macron, le président de la République. C'est important pour nous d'être partout sur les territoires. Voilà. En Marche et La République En Marche, c'est pas un mouvement qui est juste parisien, c'est un mouvement qui est aussi à Paris, mais qui est aussi partout. Si vous me demandez si moi je le souhaite et si les jeunes avec Macron souhaitent qu'Emmanuel Macron soit candidat, vous doutez bien que ma réponse est évidemment oui. On fera front parce qu'on considère que ce soit Éric Zemmour ou que ce soit Marine Le Pen, ces deux personnalités ne sont pas au niveau pour diriger la France. Avant d'adhérer à la REM, j'étais plutôt socialiste, mais je n'appartenais à aucun parti. Je trouve que Macron, c'est un président que j'ai envie de, pour lequel j'ai envie de revoter. Quoi. J'ai traversé la rue, j'ai trouvé un nouveau travail, un CDI. Temps plein à mon âge et je profite de ça pour être là et pour trouver un peu de soleil entre nous. C'est un rendez-vous, c'est une réunion de famille en fait qu'on se donne ici et c'est pas n'importe quelle année hein, puisqu'on est dans la dernière ligne droite pour les présidentielles. Donc puis c'est aussi le moment pour nous de faire le point sur ce qui a fonctionné depuis un peu plus de 4 ans, ce qui a moins fonctionné et puis surtout de se projeter vers l'avenir. J'ai des sujets qui peuvent m'interroger et j'espère trouver des réponses. C'est vrai qu'aujourd'hui l'abstention est un gros problème. Et j'espère qu'on a nos idées. Est-ce qu'on a une recette? Mais elle est trop importante, cette abstention.